Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur mon blog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clo Tricot. Je suis de retour dans ma section semi-sombre de ma maison, mais comme il y a du beau soleil dehors, je me suis dit que ça allait fonctionner. Donc j'espère que tout va bien aller pour le soleil. Bienvenue aux gens qui reviennent, si vous êtes des personnes qui reviennent à chaque fois sur mon podcast, ça me fait super plaisir de vous parler aujourd'hui. J'allais dire de vous voir, mais tu sais, techniquement, je vous vois pas, mais vous savez ce que je veux dire. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. J'espère que vous allez apprécier ce moment avec moi, que j'appelle mon vlog, même si techniquement, je pourrais aussi appeler ça mon podcast. Mais quand j'avais commencé, j'aimais pas l'idée d'appeler ça un podcast parce que je trouvais que c'était pas un podcast puis que c'était un vlog. Fait que bref, j'appelle ça un vlog. Mais c'est un podcast, comme tous les autres podcasts. Alright, on a plein de choses à parler aujourd'hui, comme d'habitude. On est dans une journée pour faire un petit update de vie, parce que je fais tout le temps un petit peu qu'est-ce qui se passe ces jours-ci. On est jeudi, la veille de la journée où je publie l'épisode. Et si vous êtes, vous habitez au Québec, vous savez que, ou à Montréal, je sais pas si c'est toutes les commissions scolaires, juste celle de Montréal. Mais vous savez qu'il y a une grève en ce moment. Aujourd'hui et hier et une journée la semaine dernière, grève du personnel de soutien des écoles, c'est-à-dire les secrétaires, les services de garde, les gens qui font de l'aide, c'est-à-dire, voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Je vais le trouver. Ah, puis en plus, mon pain me dit que c'est le temps d'un peu. Le mot que je cherchais, c'est les éducateurs spécialisés. Bref, toutes les gens qui ne sont pas des professeurs, mais qui travaillent pour la commission scolaire. En fait, les gens sont en grève et donc, par solidarité, les écoles sont fermées. Personne ne franchit le seuil de l'école. Donc, les enfants sont à la maison. Donc, 2 jours de plus d'enfants à la maison en considérant la pandémie, le fait que cette semaine, c'est aussi une courte semaine parce qu'on avait un congé férié lundi. Donc, congé férié lundi, il y avait une pédagogique mardi, 2 journées de grève mercredi, jeudi, ma fille a de l'école seulement vendredi. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'enfants alentour et donc ce matin, c'est le moment que j'ai pour filmer parce que cet après-midi, je suis en charge de 4 enfants. On s'est organisé un petit groupe bulle, évidemment, dans la bulle de classe de ma fille. Et donc, il y a 4 enfants qui, hier, étaient avec parent 1 en avant-midi, parent 2 en après-midi, parent 3 ce matin, et moi, je suis parent 4 cet après-midi. Donc, voilà. Et il y a d'autres enfants qui, en ce moment, jouent dans ma cour, qui sont les voisines. Donc, c'est ça. Vous allez entendre la vie tous les jours, comme tout le temps. Voyons que c'est ça. Je pense que c'est de l'huile de chêne à vélo. Quand j'ai débarré le vélo de ma fille ce matin. Hashtag real life. OK. On commence avec le tricot. Qu'est-ce que j'ai fini depuis le dernier épisode? Pas grand-chose. J'ai travaillé sur bien des choses, puis on dirait que j'avance à rien. C'est un de ces moments. Quoique, j'ai vraiment clenché. Dans le fond, c'est pas vrai. J'avance pas à rien. J'ai clenché un projet. Donc, j'aimerais juste les fils à rentrer, il me reste à le laver, mais j'ai commencé et terminé, parce qu'il me semble que il y a 2 semaines, je ne l'avais pas commencé encore. J'ai commencé mon Ripple Bralette, qui a l'air miniature comme ça. C'est très drôle de le regarder comme ça, parce que c'est un tube, évidemment, de tissu qui est en côte 3-3, et donc, whoop, ça se referme de fou, mais évidemment, quand on l'étire, ça s'étire aussi de fou, donc oui, ça me fait, et c'est fait, évidemment, pour avoir de l'aisance négative, c'est-à-dire que c'est fait pour serrer le corps, puisque c'est une brassière, en fait. Moi, je l'ai faite en format tank top, et donc, il m'arrive à peu près en haut des os de la hanche, peut-être même un petit peu plus haut, et avec celui-là fini en pointe de chaque côté comme ceci. OK, puis j'ai décidé de faire des bretelles pas croisées. Et c'est fait avec ma handspun. Donc, c'était une tresse de Created by LCB. Et qui avait
du brun, en fait, une espèce de brun chocolat qui passait, qui entre chaque section de brun, il y avait des sections de couleurs. Donc, il y avait une espèce de jaune, il y avait un vert qu'on voit un peu plus sur le produit tricoté. On ne le voyait pas vraiment dans les chevaux, mais dans le produit tricoté, on le voit ressortir un peu. Il y avait un mauve comme ceci, puis il y avait un mauve plus fuchsia, je dirais, un petit peu plus rosé, tandis que celui-là était un petit peu plus bleuté. Et voilà. Donc, dans mon managing de couleurs, je m'étais fait, j'avais séparé la tresse en deux, puis il y avait une section que j'avais reséparée en deux pour la filer, puis l'autre, je l'avais pas séparée, je l'avais juste filée bout en bout. À refaire, je pense que pour un projet comme celui-là, je séparerais encore plus parce que mes sections de couleurs sont vraiment longues. Et je suis un peu déçue, je dois le dire, de ne pas avoir plus de mauve dans mon produit fini. Mais là, j'ai pesé pour savoir. Ce tank top pèse 66, je crois, grammes. Et ce qui me reste dans cette balle, c'est 52. Fait que je pourrais m'en faire une autre, moins longue, et genre donner celle-là à ma fille, genre. Parce que ma grande fille de 7 ans adore les tank tops. Elle adore avoir les épaules dénudées, même si elle pogne des coups de soleil. Elle a déjà pogné un coup de soleil, tu sais, hier. Elle porte un tank top. C'était pas moi qui s'en occupais, c'était un ami. Puis en lui mettant de la crème solaire rapido, on n'a pas pensé parce que ils ont des garçons, fait qu'ils ont toujours des t-shirts. Elle avait un sac à dos sur ses épaules, donc ils ont mis de la crème solaire comme ça, puis ils en ont pas mis par-dessus ici. Puis elle a passé la journée à jouer dehors, elle est revenue avec les épaules, mais rouges. J'étais pas particulièrement contente. Puis j'en veux pas à mon ami, là, j'en veux surtout à ma fille qui a pas dit, ben, il faut en mettre sur mes épaules. Bref. Mettez de la crème solaire. C'est important. Bref, je trouve qu'il n'y a pas assez de mauve sur celle-là. J'étais un peu déçue de voir la quantité de jaune qui s'allongeait ici et qui ne se rendait pas. Donc, je pense que je vais en castonner une autre. Je vais en démarrer une autre et je vais essayer de voir si je réussis à faire une longueur qui me satisfait avec celle-là, si j'aime plus le résultat, qui dans le fond, c'est ça. Puis dans le fond, je donnerais celle-là à quelqu'un d'autre. Soit à ma fille ou à quelqu'un d'autre. Et vous allez remarquer qu'il y a quand même beaucoup de petits fils qui pendouillent au niveau de mes bretelles parce que comme c'est une laine qui change de couleur au fur et à mesure, j'avais pas envie ici, mettons, au niveau du devant de la bretelle, d'avoir une espèce de changement de couleur intense. Fait que là, tu sais, si j'avais fait, mettons, ce côté-là du triangle, puis j'avais continué, j'avais fait toute la bretelle. Quand je serais revenue ici, au niveau du triangle ici, la couleur elle pourrait pas été la même. Ça aurait été comme bizarre d'avoir les deux côtés du devant dans deux couleurs différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que j'ai fait le triangle ici, j'ai arrêté, j'ai fait le triangle là, j'ai continué un peu la bretelle, puis là, quand je voyais sur ma balle, parce que je la tire de l'extérieur, quand je voyais sur ma balle que je commençais, l'autre couleur allait embarquer bientôt, ce que je faisais, c'est que je laissais un long bout de ce côté-là pour pouvoir faire une alternance quand j'allais revenir. Puis là, je faisais un autre bout ici, puis là, quand j'arrivais bientôt à un changement de couleur, ben, je changeais encore, puis là, j'avais le long bout, fait que je pouvais faire un rang avec l'ancienne couleur, un rang avec la nouvelle, un rang avec l'ancienne. Comme ça, la transition est quand même beaucoup plus subtile. Est-ce que je vais voir? Donc, tu sais, mettons ici, j'ai une transition. Ben, c'est pas in your face de transition parce que j'ai alterné à chaque rang l'ancienne couleur qui était celle-là, la brune-brune, puis la brune-jaune, mettons. Okay? Comprenez ce que je veux dire? C'est pas exactement pareil, mes deux straps, mais quand même pas mal pas pire. Donc, c'est ça. Je me demande si je vais pas faire le deuxième avec l'autre patron justement que je préfère pour cette raison-là, qui est le My Little Secret Crop, qui est droit en avant, donc t'as pas besoin de séparer. Fait que t'as moins de gestion à faire, sauf que faudrait que je change faudrait que je fasse des calculs pour changer l'échantillon. Parce que ça, c'est de la fingering. Et celui-là demande de la fingering et l'autre patron, My Little Secret Crop, demande de la fingering doublée ou de la DK
worsted. Donc, ça serait quand même une grosse différence à voir. Pour celle-ci, j'ai utilisé des aiguilles plus petites que ce que le patron demande pour avoir vraiment un tissu pas du tout ajouré parce que moi, je le porte évidemment comme tank top, pas comme brassière. Donc, j'ai rien par-dessus. Fait que je veux pas qu'on voit, t'sais, des choses à travers le tissu. Donc, le tissu est vraiment un peu plus dense que ce qui est recommandé. Et donc, j'ai utilisé des. Je vais trouver quelle grosseur de. C'est pas ceux-là, mais en faisant du. Donc, j'ai utilisé des 2,75 mm pour le corps et des 2,5 mm pour juste les côtes torse du bas. Donc, c'est des côtes torse en bas. Des côtes 3-3 tout le long et ensuite un double high cord pour faire la strap qui devient un peu plus intense que juste un high cord. Parce qu'un high cord, normalement, c'est comme 3 ou 4 mailles. Ce double high cord est avec 6 mailles, ce qui fait que ça soutient un peu plus. Donc, il vient juste à me rentrer les fils, le nettoyer, le nettoyer, le laver bloqué. Je vais aller sortir le pain du four. Bon, ouais, ceux qui me suivent depuis assez longtemps, ça doit faire pas loin d'un an que j'ai commencé à faire du pain au levain, que mon levain qui s'appelle Adoable, comme Dough, Dough, qui veut dire pâte, et Adorable, donc Adoable, ça doit faire pas loin d'un an qu'il est né. Faudrait que je regarde quand est-ce que j'ai fait mon levain, dans la folie de faire son levain pendant le confinement. En fait, on est presque à la fin mai. D'après moi, ça fait plus qu'un an qu'il existe. Bref, je suis pas mal fière de mes pains. Qu'est-ce que je disais? Je disais, ouais, qu'il me reste rentrer les fils et bloquer ma brassière et prendre une décision si j'en fais une autre ou si je garde cette balle, ce restant de balle qui doit avoir beaucoup plus de mauve, en fait, dedans pour autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceci étant dit, prochain projet en cours. Il y a celui-là. J'ai commencé des petites chaussettes ankle sock, des petites sockettes pour ma fille. Et comme vous le voyez, j'ai passé à ma couleur contraste. Donc, je suis rendue à faire les orteils. Et comme j'avais prévu, je pense que je vais être juste pour la quantité de laine. C'est-à-dire que j'ai pris la première bande pour faire le top. J'ai utilisé la couleur contrastante. C'est de la. Hors textile du Témiscouata dans la couleur clou tricot. Et j'ai utilisé le motif œil de perdrix que j'ai filmé sur ma chaîne. Donc, vous pouvez voir comment faire le motif œil de perdrix sur votre heel flap. Et ensuite, j'ai fait je pense, je me suis dit 1, 2, 3, 4 avec 4 couleurs, 4 bandes et quelques. J'en ai assez pour faire le pied. J'avais raison, je l'ai essayé à ma fille et avec un orteil dans la couleur contrastante, ça va être parfait. Je l'ai fait encore toujours avec des aiguilles 1 point, voyons, pas ça, 2,25 mm. Et cette fois-ci, j'ai mis Haya Haya. Donc, c'est l'aiguille que j'ai achetée chez Bleu Poussière parce que d'habitude j'utilise toujours les Chiaogu, mais comme je fais souvent des chaussettes avec des mini circulaires en aiguille 2,25 mm, je me suis dit ça vaut la peine d'investir dans une autre parce qu'en ce moment j'ai juste mon kit interchangeable. Et donc, si je veux faire des petites chaussettes comme les miennes ou celles de ma fille plus vieille, j'ai pas le choix d'utiliser les embouts les plus petits dans mon kit de Chiaogu. Donc, je peux pas encastonner deux chaussettes de deux couleurs différentes en même temps parce que j'avais pas deux aiguilles. Mais là, maintenant, j'ai deux aiguilles. Et est-ce que je vois la différence dans les Haya Haya versus les Chiaogu? Pas vraiment. Ils sont super agréables à tricoter. Il doit y avoir une différence dans la longueur de la pointe ou quelque chose de même, mais sincèrement, ils sont parfaits. Je les adore aussi. Donc, si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas, elles sont très bien. J'ai monté 52 mailles. D'habitude, pour mon pied, je monte 56 mailles, ce qui veut dire que ma fille est pas loin d'avoir la même largeur de pied que moi. Pas étonnant, pas étonnant. Donc, ça,
C'est dans mon sac, Jésabelle. J'ai mes petites pins, les garçons. Mais comment ils sont cute! Le Montreal Bear, puis le raton Once and Floral. Puis ça, c'était la collection de Jésabelle de Noël. Pas l'année passée, l'autre d'avant, déjà? Je sais plus. Le temps est un concept fluide, right? OK. dans les autres choses que j'ai avancées, j'ai bien avancé mon... Bien avancé. On s'entend que un chandail qui est tout en brioche, ça avance pas vite. Mais tous les petits centimètres, pouces, tout ce que tu rajoutes dessus, ça file comme une tonne. Mais regardez, la dernière fois que je vous l'ai montré, il y a 2 semaines, j'étais rendue à la séparation des manches. Et là, je suis rendue à quelques pouces passé la séparation des manches. Donc, j'ai fait tout ça. Quand même, c'est pas pire. Mon chum s'entraîne dehors devant la maison, puisqu'il n'a pas accès à un gym, parce que les gyms sont fermés. Donc, si vous entendez de la musique, de même, c'est mon chum qui s'entraîne en avant. Avec le voisin qui est aussi intense que lui. Si vous connaissez des gens qui sont intenses dans leur entraînement de CrossFit comme lui, c'est rare. Et lui il a trouvé un ami qui est aussi intense que lui et qui font des entraînements devant la maison sur le trottoir à Montréal. Les gens généralement les encouragent et les trouvent vraiment cool. Une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui leur gueule après parce que c'est dangereux ou quelque chose, mais tu sais, ils prennent pas la place, là, ils laissent passer le monde sur le trottoir. Bref. OK. Donc, ça a l'air de ça. Et que ça va être beau, ça va être beau. Donc, extérieur, intérieur, que techniquement, on pourrait porter en reverse si on veut avoir un petit peu plus de oomph, right? Parce que cette couleur intérieure, elle est vraiment spécial, magnifique. Et l'extérieur est très neutre. Donc, j'en ai parlé plusieurs fois déjà. C'est de la Woolly Mammoth dans la base. Je me rappelle plus quelle base, mais c'est du Gotland et BFL, si je ne m'abuse. Et du Suri de la Bien-Aimée dans la couleur Pogno et Satsuki. Et vous voyez que je suis rendue pas mal à la fin de cet écheveau. Et j'ai 3 écheveaux pour le faire. Mais le troisième est dans une couleur différente, qui est un peu plus punchée, mais quand même dans le même esprit. Donc, ce que je pense que je vais faire à partir de ce moment-ci, c'est que je vais prendre le deuxième écheveau et je vais tricoter les manches. Et je vais voir où je me rends. Donc, je vais tricoter, mettons, le trois quarts d'une manche. Voir peser ma balle, voir combien il m'en reste après le trois quarts d'une manche. Et si je vois que après le trois quarts d'une manche, il m'en restera pas assez pour, mettons, finir les 2 manches et continuer un peu du corps, ce que je vais faire, c'est probablement alterner la balle qui est un peu différente avec dans le bas de la manche, dans le bas, voyons, dans le bas des 2 manches. Et ensuite, prendre le restant de cette balle et venir faire la même chose dans le bas du corps, c'est-à-dire alterner avec celle-là et l'autre couleur. C'est mon plan. Parce que j'ai 3 balles de Suri et 2 balles de celle-là. Mais comme vous voyez, celle-là, je vais en avoir en masse, en masse. La laine rustique, là, ça court. C'est-à-dire que c'est moins lourd qu'une laine. Super wash traité. Et donc, dans un écheveau de 100 grammes, si mettons votre patron vous demande 2 écheveaux de 100 grammes de laine super wash, vous allez en avoir en masse de 2 écheveaux de 100 grammes de la même grosseur d'une laine non traitée. Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai oublié de dire dans le patron de Jessie Mae, le Ripple Bralette que j'ai fait tantôt. J'ai fait la deuxième taille, la taille small. Dans celui-ci, je fais la taille médium,
du lundi cardigan de Camille Descoteaux, puisque je le fais pour mon amie Marina. Et Marina fait la taille médium, donc je lui fais sa taille médium. Pour moi, je ferais probablement la taille juste en dessous, la deuxième taille, la small, pas la X small, probablement, si c'était pour moi. Et je le fais avec les aiguilles recommandées. D'ailleurs, Camille, moi qui veux faire tous tes patrons, là, j'ai envie de, vous allez voir, tantôt, j'ai envie de démarrer un autre patron de Camille et elle demande les mêmes aiguilles. Et ces aiguilles-là, ce sont des 3 mm. Et les 3 mm, savez-vous quoi? C'est le bordel, c'est-à-dire que le 3 mm dans le kit d'aiguilles de Xiaogu, les grosses, les normales, pas les mini, il n'y en a pas. Il y a des 2,75, il y a des 3,25. Il n'y a pas de 3. Fait que je suis obligée d'utiliser mes aiguilles du kit de mini circulaire. Le problème, c'est que le kit de mini circulaire, je pense en même temps que je parle, le kit de mini circulaire va avec un câble, une connexion de câble mini. Et donc, j'avais acheté ce long câble individuellement pour faire du Magic Loop de chaussettes. Mais, ou mettons un chapeau. Mais je ne peux pas connecter mes mini à mes longs câbles de mon kit régulier. Donc, il faudrait que je m'achète. Je ne sais pas s'il existe juste les bouts Xiaogu, juste les pointes, en 3 mm. Dites-moi-le si vous en avez, parce que c'est ça que je vais faire. Je vais acheter juste les pointes en 3 mm pour mettre sur mes câbles réguliers. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que là, c'est frustrant, parce que je suis allée chercher, mettons, c'est correct, là, je suis allée chercher mes vieilles aiguilles. Ceux-là, c'est des... je ne sais même pas c'est quelle marque. J'ai hésité depuis vraiment longtemps. Aucune idée quelle marque d'aiguilles ceux-ci sont. Ceux-ci sont, pas saucisson. En tout cas, bref, c'est peut-être des Adi, je ne suis pas certaine. Mais bon, comme je l'utilise pour ce projet-ci, je ne peux pas l'utiliser pour un autre projet en même temps. Ce qui veut peut-être dire, Claude, finis les projets que tu as en cours, mais j'ai vraiment envie de cassonner d'autres choses. Ceci étant dit, j'ai fini la manche numéro 1 de mon classique. J'avais vraiment pas envie de travailler dessus trop ces temps-ci parce qu'il faisait ultra chaud dans les derniers jours. Il faisait vraiment, vraiment chaud. Genre 30 degrés Celsius. On se mourait. Donc, j'ai pas porté mes chandails. Puis là, aujourd'hui, tout à coup, il fait 16 degrés dehors. Ça a passé de 30 à 16 en l'espace de genre 10 heures. Ça a pas de bon sens. La température est folle. Donc, voici ma petite manche de classique. C'est The Classic par Espace Tricot. Donc, col cheminée, manche. Eux autres, dans le patron, demande de faire une manche droite. Donc, aucune diminution. Et même au bout ici, de faire les côtes droites. Donc, ils ne font pas de changement d'aiguille, si je ne m'abuse. Ils font un changement d'aiguille? Peut-être. Mais pas de diminution. Et moi, je suis allée pour l'option manche ballon. Donc, j'ai tricoté jusqu'à temps que j'arrive à l'endroit où je voulais commencer mes côtes. Et j'ai fait des diminutions. J'ai fait tricote 1, tricote 2 ensemble, tricote 1, tricote 2 ensemble, tout le tour. Puis ensuite, j'ai diminué. Au lieu de diminuer de... Je pense que je te recommande pour le haut ici, j'étais deux tailles d'aiguilles plus petites. Mais là, j'ai diminué d'encore plus. Je pense que j'ai diminué de 3 tailles d'aiguilles plus petites. Et si c'était juste un en haut ici, ça veut dire que j'ai diminué de 2 tailles ici. T'sais. J'ai diminué d'une taille d'aiguille de plus que ce que le patron recommande pour avoir un effet bien serré. Après l'avoir bloqué, je verrai comment je suis satisfaite. Et je pense que je ferai le bas du chandail parce qu'il n'est pas encore fait. Je pense que le bas du chandail, je vais le faire pas en split hem. Normalement, le patron a un split hem, c'est-à-dire qu'il y a un devant plus court que le derrière, puis c'est séparé sur le côté. Moi, j'ai envie de le faire, je pense, comme un chandail régulier, c'est-à-dire ne pas splitter les deux. Donc, voilà. OK. J'ai perdu des mailles ici. Non, ça va.
Chandail, c'est de la laine de Espace Tricot. J'en ai parlé plein de fois, donc je n'en parlais pas très longtemps, mais c'est de la Halo, donc le mohair soie de Espace Tricot et la Luna de Espace Tricot. Les deux, c'est des fils dentelle et celui-ci, c'est du BFL non traité. J'adore l'effet, c'est léger comme tout, c'est très aéré parce que ces deux dentelles mises ensemble, ça fait un tissu vraiment. Puis c'est pas tricoté à un échantillon très serré. Je pense que c'est 21 mailles par 10 cm. Donc c'est un échantillon très, très respectable. Puis ça fait un tissu aéré. Ensuite, là, je vais manquer de batterie sur mon téléphone. Je vais continuer un petit peu. J'ai quelque chose à vous montrer qui est un futur projet, mais comme j'ai fait le swatch. Je vais vous le montrer. J'ai swatché pour le Vélène de Camille Descoteaux. C'est fait mon swatch en Hélios de Bleu Poussière. La Hélios, c'est 50% Mérino, 50% soie. Alors, c'est d'une douceur incroyable. Ça a une brillance magnifique. C'est soyeux. Et c'est très, très mou et très drapé, en fait. Et donc, j'ai décidé de faire un fade. J'ai 7 couleurs. Et je vais absolument commencer des plus pâles vers les plus foncés. Donc, à la base, j'avais pris une photo. Je l'avais mis en noir et blanc. Moi et Camille, on avait fait ça ensemble. Puis. Je les ai tricotés dans l'ordre des tons. Donc, du plus pâle au plus foncé. Par contre, cette couleur ici, qui s'appelle Comédie divine, on peut le voir, elle est beaucoup plus chaude que celle-là et que celle-là. Donc, sandwichée entre les deux, ça donne un look un peu. Ça sort un peu de nulle part. Mais, là, je me suis dit, j'ai deux options. Soit que je mets Comédie divine, qui est celle-là, en dessous du petit rose en haut, parce que le petit rose en haut, il est aussi un peu plus chaud. Donc, je pourrais le mettre ici, le sandwicher entre ces deux couleurs-là. Ou, je peux prendre cette couleur et juste l'envoyer en haut ici et ne pas faire du plus pâle au plus foncé, mais d'avoir une couleur un peu plus foncée en haut, un peu comme j'ai fait ici. Ça, c'est mon So Faded de Andrea Mari en Urso. Et c'est un kit de Urso. Et au lieu d'aller du plus pâle au plus foncé, ce que j'ai fait pour m'assurer de la continuité des couleurs, c'est que j'ai pris le plus foncé rose. Je suis allée dans un autre rose chaud, un peu plus pâle. Après ça, je suis allée au milieu dans le rose le plus pâle du kit. Et ensuite, j'ai fadé dans le rose qui était. Ben, c'est pas chaud, chaud. C'est plus. Celui-là, il est plus rose rosé. Puis celui-là, il est rose orangé. Donc. C'est plus le contraire, c'est plus ça, c'est plus froid, puis ça, c'est plus chaud. Bref, du rose plus pâle au plus jaune, au rose jaune, puis ensuite au orange. Donc, j'ai un fade, mais j'ai pas un fade du plus pâle au plus foncé. Parce que si j'avais fait du plus pâle au plus foncé, j'aurais fait 7 couleurs, ensuite 7 couleurs, ensuite 7 couleurs, ensuite celle-là, puis ensuite celle-là, peut-être. Mais il y aurait eu quand même un gros contraste de ton entre ça et ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, je peux faire un peu la même chose ici. Ça va être plus subtil parce que les couleurs sont quand même beaucoup plus. Je me suis fait un lazy swatch. Et j'ai mis Comédie divine, qui est la couleur, cette couleur-là ici. Je l'ai mis tout en haut. Et après ça, j'ai mis le petit rose pâle, le petit. J'ai 4 couleurs là-dedans. Ça se blende quand même assez bien, n'est-ce pas? Donc, Comédie divine. Fremen Shani, qui est le petit rose pâle. Ensuite, j'ai Moomin's Fall in Love, qui est celui-là ici, fait qui est un espèce de lilas, mais avec des petits speckles de jaune et d'autres couleurs. Et ensuite, le lilas en tant que tel, tout seul, qui se blende super bien avec le Moomin's Fall in Love, qui s'appelle Gris de lin. Donc, après ça, après gris de lin, bien sûr, qui est celui-là ici, bien sûr, ça en bas, les gris, les teintes de gris qui se fade ne vont pas changer. Ça va être le même ordre qui est brume,
Pendulum et Chat-Ruelle. Donc, qu'est-ce qu'on aime? Dites-moi ce que vous préférez. Dites-moi, est-ce que vous trouvez ça joli? Est-ce que vous aimez mieux ça? Cette espèce de... avec le plus bariolé en haut. Ou est-ce que je devrais mettre ce petit bariolé entre le rose et le Moomin's Fall in Love? Donc, soit que j'y vais comme ça, qui est une option que je n'ai pas mis, ou dans mon Lazy Swatch, il est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, ça va faire un Vélène Tea de Camille Descoteaux. Mais je ne ferai pas un Vélène Tea parce que j'ai 7 demi-écheveaux. Et donc, je vais faire un Vélène Dress. Je vais le continuer jusqu'à ce que j'aille plus de laine. Donc, ce qui est beau avec le Vélène, c'est que les manches sont pas très longues. Donc, je vais pouvoir faire le haut, faire mon fade. Tout de suite, quand j'ai fait une certaine partie de mon fade, je vais pouvoir aller finir mes manches pour utiliser le plus possible de ma laine. Et ensuite, je vais pouvoir continuer, puis juste continuer jusqu'à ce que j'en aie plus. D'après moi, je vais arriver à peu près en haut de mes genoux. J'espère. Le patron est super beau. C'est une espèce de rib brisé. Ça fait une texture vraiment le fun qui peut faire un chandail où je vais pouvoir mettre un peu de negative ease, c'est-à-dire que je vais prendre la taille la plus petite qui sera un peu serrée sur moi, mais ce qui me convient pour une robe. Et je vais faire des augmentations, probablement en suivant le ratio d'augmentation de petites knits dans le Aros. Parce que le Aros sweater que j'ai fait, qui est celui avec des stripes, dans le patron, il y a une option pour le faire en robe. Et donc, je vais aller voir c'est quoi ses calculs pour faire une robe, à quelle vitesse ça fait ses augmentations après les hanches, après la taille. Puis, je vais faire la même chose. Ou, je vais peut-être juste l'essayer au fur et à mesure, puis rajouter, faire des augmentations de chaque côté de façon à ce que ça fitte mes fesses. À voir, mais je suis vraiment excitée de commencer ça. J'ai pas encore lavé, bloqué mon échantillon pour voir si j'ai le bon gauge, mais c'est la même laine que le Vélène utilise dans le patron. Et habituellement, l'échantillon qui est donné dans les patrons de Camille, selon ses calculs à elle, me convient. Donc, j'ai jamais eu de problème à atteindre le même échantillon que Camille conseille dans ses patrons. Enfin, ça me stresse pas vraiment. OK, c'est tout pour le tricot. Je vais passer au filage. J'ai fini de filer mon écheveau de Lenaba. Regardez comment c'est beau. Donc ça, c'était mes petits mini nappes, bat en anglais, de Artifacts of Appreciation. Et je l'avais séparé pour faire des couleurs distinctes. Fait que ça s'appelle, le paquet s'appelait Subtle Stripes, donc des rayures subtiles. Et donc, ça va me donner, bien, c'est sûr et certain, des rayures très subtiles. J'ai fait un singles qui était bien petit. J'ai essayé de pas trop le retordre pour pas me donner un effet trop raide. Et ensuite, j'ai retordu en faisant un chain ply. Donc, un chain ply, c'est un peu, c'est une technique qu'on utilise qui ressemble à, dans le fond, une chaînette qui, quand on tricote, quand on file, on a un loop comme ça, puis on vient tirer à travers le loop un bout de fil. Mais parce que je l'ai pas noué, ça ne marchera pas. Bon, voilà. Donc, si je fais un petit nœud coulissant, coulant, quand on tire un bout de fil à travers un nœud, puis qu'on ramène sur lui-même, regardez, ça fait trois brins. Donc, quand on twist ensemble, ça fait trois brins. Puis là, quand on arrive au bout, on peut faire la même chose. On peut prendre le bout, puis on peut tirer
puis faire une autre loupe. Fait qu'on fait des loupes à l'infini, dans le fond, ce qui nous donne la possibilité de gérer la couleur pour qu'elle reste avec elle-même. C'est-à-dire que quand on file trois brins séparément, c'est très difficile de gérer la couleur puis que la couleur reste avec elle-même, c'est-à-dire garder mettons, le bleu avec le bleu, le jaune avec le jaune. Tandis que si on fait du chain ply, on se retrouve avec beaucoup plus de capacité, évidemment. On file les sections ensemble, donc on a des sections qui sont. Mettons complètement vertes ou des sections qui sont un petit peu plus mauves, mettons. C'est vraiment difficile à montrer parce que la couleur, toutes les couleurs de fond sont très similaires, mais chacun a un pop ou un reflet différent. Donc, j'ai hâte de le tricoter puis voir comment on va voir les stripes ou pas. Donc là, c'est tout mélangé, évidemment. Mais une fois tricoté, ça devrait me faire des rayures. Je sais pas quelle largeur, ça va être une surprise. Je pense que j'ai réussi à atteindre un fingering, peut-être sport léger, light sport ou fingering. Donc ça va être probablement mes prochains bas que je vais mettre sur mes aiguilles. Et voilà. Oups. Vraiment contente. Et ça va être tricoté en renforçant au moins les talons orteils avec ce petit fil de soie qui est soie et mohair. 70% mohair, 20% laine, 10% soie. Je vais le tricoter. C'est un fil lace, même peut-être cobweb, là, vraiment, vraiment petit, que je vais doubler dans les talons orteils pour donner de la force à mon écheveau de laine à bas. Je pense que j'ai encore un peu de temps avant que mon téléphone me lâche. Donc ça, je n'ai point fini mon filage de tresse. Il m'en manque un. Voilà. Mais j'y arrive, je suis pas loin. Donc, je suis à 4. 4 supported spindles, fuseaux supportés. Donc, j'avais fait la moitié d'une tresse sur mon rouet. Je l'ai fait en long draw. Donc, j'ai tiré pour faire un fil qu'on appelle woolen, donc un fil plus aéré. Et ensuite, j'ai ce nouveau spindle qui vient de Spanish Peacock, mais qui est un vieux. Je l'ai pris dans un déstache. Donc, quelqu'un le vendait. Il date de 2012, donc il est quand même assez vieux. Je trouve qu'il y a un petit wobble, il ne spin pas aussi bien que les autres. Peut-être parce qu'il est vieux et qu'il a pris un peu d'âge, je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ont amélioré leur technique depuis. Mais comme vous voyez, ça spin quand même très bien. C'est une tresse de Created by LCB en BFL. Ensuite, j'ai spiné un soir sur celui de mon lemlen, puis malheureusement, je regardais pas ce que je faisais ben ben, puis j'ai spiné pas mal plus épais sur celui-là que sur celui-là. Donc, on va voir la différence que ça va faire dans les chevaux, mais je pense pas que je vais utiliser tous les chevaux de toute façon pour le projet que j'ai en tête, donc on va voir. Ensuite, j'ai réussi dans un update rapide, rapide, ça part vite ces fuseaux-là, j'ai réussi à me procurer cette merveille. C'est magnifique. C'est aussi de Spanish Peacock. Et celui-là s'appelle leur Ninja. Et ça s'appelle Ninja parce que ça tourne, mesdames et messieurs, ça tourne vraiment, mais vraiment vite. Et juste le rainbow, tu sais. C'est d'une beauté magnifique. Je l'ai reçu en plus la journée. La journée de la sensibilisation pour les gens trans et la diversité et tout ça. Donc, c'était comme la parfaite journée pour le recevoir. Et
Je suis en train de spinner en ce moment sur mon spindle de Woodland Woodworking, qui spinne très bien aussi, qui est magnifique. Par contre, si jamais vous achetez de Woodland Woodworking, j'ai acheté le teacup, le modèle teacup, et malheureusement, le rebord du teacup a tendance à briser très facilement à cause du fait que c'est très très mince sur les rebords. Et évidemment, étant une nouvelle fileuse, je l'ai échappé quelquefois en filant, puis il a brisé. Donc, la prochaine fois, j'achèterai un différent modèle, pas celui avec le petit, comment on l'appellerait, le petit saucer en anglais. En tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il me reste cette quantité à filer. Il va peut-être falloir que je vide un de mes fuseaux pour le continuer, parce que là, ils commencent tous à être un peu pleins. Puis après ça, je vais faire un two-ply. Donc, je vais retordre celui-là avec tous ceux-là pour me faire un two-ply pour aller avec l'autre tresse que je vous ai montré dans les épisodes précédents. Vous pouvez retourner voir pour faire probablement un chandail à rayures. Et prochain projet, filage. Ben là, je ne sais pas lequel des deux je vais commencer en premier, mais j'ai reçu. Je me suis un peu laissée aller, là. J'ai dépensé quand même pas mal cette semaine, mais c'est pas encore arrivé, puis je vais vous montrer quand ça va arriver. Mais là, ça, c'était, je l'avais acheté il y a quelques semaines et ça a pris un petit moment à venir parce que ça venait des États-Unis. J'ai acheté de la fibre de chez Inglenook Fiber. Et ça, c'est un petit peu, je vais le sortir de son sac parce que. Donc, Inglenook Fiber, c'est spécial. C'est vraiment une compagnie vraiment extraordinaire qui. Ce sont des religieuses, en fait. Je ne sais pas exactement de quelle. Je suis pas très portée sur la religion, donc, mais je sais que ce sont des religieuses qui teignent les fibres. J'ai acheté le Organic Polewort et Silk. Et dans la couleur Walking on Sunshine, et j'ai 7,1 onces, ce qui veut dire que j'ai un peu moins j'ai un peu moins de 200 grammes. Regardez ça! J'ai rien à dire. Sauf que c'est juste trop magnifique. Et ce qu'on me dit, c'est que leur fibre est tellement bien traitée lorsqu'ils font de la teinture que tu peux filer directement du bout, là, t'as pas besoin de blender, de carder, de tout ça, parce que des fois, certaines fibres sont un petit peu plus compactées par le travail de teinture, mais ceux-là, là, c'est magnifique. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais définitivement, ça me prend un chandail avec beaucoup de couleurs dans le color work, genre, parce que j'ai presque 200 grammes, je pourrais le filer plus gros, tu sais, je pourrais le filer en worsted et faire un chandail de color work en worsted. Donnez-moi vos suggestions. J'avais le Spark en tête, mais je pense pas que j'ai envie d'un open. J'ai pas envie d'un chandail, un cardigan ouvert avec une ceinture. C'est pas mon style, ben ben. Et le deuxième que j'ai acheté, parce que je me suis dit, tant qu'à acheter, je vais acheter plus, parce que tant qu'à payer le shipping, j'ai acheté de Inglenook Fiber un autre tresses, et ils appellent ça des bat in a braid parce qu'ils ont des mélanges vraiment intéressants qui d'habitude se retrouvent dans des nappes parce que ça a été cardé ensemble, mais ils le font faire par un mill qui les fait en forme de tresses. Donc celui-là s'appelle le bat in a braid numéro 32, il y en a vraiment plusieurs. C'est 30% Manx Lofton. Lofton, Lofken, je sais plus. 30% White Blue Faced Lester et 30% Tossa Silk et 10% lin, flax. Donc, la couleur s'appelle Pezzazz et j'ai 5,7 onces, donc j'ai plus que 100 grammes. Donc, le blanc, c'est le lin, je crois, qui ne prend pas la teinture de la même façon que le reste. Mais oh my god! J'ai comme envie de le filer et de voir à quel point le noir va ressortir. Mais j'ai comme envie de le pairer avec de la Nightshades. Tu sais, si je me fais un déca, puis que j'utilise la Nightshades pour faire un chandail. Je fais juste des chandails, ça n'a pas d'allure. Ou d'autres choses, là.
Mais ça serait malade mental. N'est-ce pas? Alors ça, c'est vraiment something else. J'ai hâte de voir comment ça va se filer parce que je n'ai jamais filé de mix avec du lin encore. C'est la première fois. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Donc voilà pour tout ce qui est laineux. J'ai l'intention de faire un petit chandail d'enfant à ma nièce, mais j'ai pas encore choisi qu'est-ce que je vais lui faire. Donc, tu sais, j'ai des idées en tête, j'ai plein d'affaires que je veux faire. Je sais juste pas dans quel ordre, je sais juste pas quand, quoi, comment. Je suis un petit peu. C'est sûr que mon prochain cast-on, c'est le Velen, mais après ça, je sais pas. Dans le côté plus ce que je lis en ce moment, oui, ce que j'ai. Alors, j'ai mon Kobo. Les gens me demandaient sur quoi des fois je lisais. Kobo, c'est canadien, ce que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux le placer comme ça quand je lis. Donc, je peux le placer sur une table et lire comme ça. Et la luminosité change selon l'éclairage. Et j'adore lire avec ça en même temps que je tricote. En ce moment, je lis The Café by the Sea par Jenny Colgan et je le lis sous la recommandation de Miss Juju, Julianne, qui l'a recommandé dans ses livres sur son Instagram. Elle le lit en français, moi je le lis en anglais parce que c'est une auteure anglophone. Généralement, je lis dans la langue que ça a été écrit si c'est anglais, mais ça m'arrive des fois d'être plus paresseuse parce que mon cerveau est plus paresseux quand il lit en français. Quoique, je suis quasiment rendue au point où ça change absolument rien. C'est juste qu'une fois de temps en temps, il y a un mot dans un livre francophone qui va faire genre, oh, c'est quoi ce mot-là? Donc, ce qui est merveilleux avec le Kobo, c'est que je peux souligner un mot puis ça me donne la définition directement. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Donc, The Café by the Sea, ça parle d'une fille qui retourne sur une île. L'île de sa jeunesse qui est dans les environs de Shetland et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça parle de cette vie irlandaise un peu. T'sais, nous autres, les tricoteurs, on aime ça parce qu'évidemment, beaucoup de laine, beaucoup de chandail de laine dans ces régions-là. Mais voilà, je suis pas rendue très loin, je suis rendue genre au quart du livre, mais à date, je l'apprécie. C'est une lecture très mollo. T'sais, pas trop impliqué, pas trop intense. Puis dans mes oreilles, j'écoute le troisième livre de la série All Souls Trilogy, donc la trilogie All Souls. Je sais pas en français c'est quoi le nom de la trilogie, mais ça parle de sorcières et de vampires et de démons d'une façon très romancée. Donc si vous aimez le style Outlander ou les affaires. Les livres de Anne Rice par rapport aux vampires, c'est pas gore, c'est pas dans le côté épeurant de ça, c'est dans le côté très romancé. C'est très intéressant. Bon, c'est ce que j'ai dans mes oreilles en ce moment. Mes petites suggestions. J'ai fini d'écouter un autre roman de Agatha Christie qui était Murder on the Links. Non, Murder on the Links, c'est celui que j'ai. Oui, c'est ça, je l'ai écouté et j'ai apprécié. Je l'ai aimé moins que le tout premier, celui qui était Mystery Affair at Styles. Voilà, j'ai hâte de découvrir d'autres livres, j'ai hâte de vous en reparler. Puis je vois que les gens apprécient le côté lecture, donc je vais continuer à le faire. Je vous souhaite un beau 2 semaines. Je vous retrouve très bientôt, je l'espère. Et voilà, suivez-moi sur mon Instagram, sur mon YouTube. Suivez-moi si vous ne me suivez pas, mettez-moi un petit pouce en l'air et des commentaires, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye!